Allez, bah soyons francs, la bière. Comme Reger. Alors moi, je suis tout simplement compositeur, organiste, et ici en tant que membre de jury pour la compétition de piano. Tout sauf chez moi, dans un avion, dans un champ, au bord d'un lac par exemple. Un oratorio qui s'appelle Le Dernier Évangile pour grand orchestre, chœur et orgue. On peut difficilement rajouter quelque chose là. Salomé de Strauss, ça c'est sûr. Mais je dirais comme beaucoup de gens, je me suis aperçu que c'était la bémol majeur. Ça a été de certains mouvements lents de Beethoven qui est particulièrement sombre et nostalgique. Oh, je dirais le ré, un peu fondamental. La cadence évitée. Curieusement, pour un compositeur contemporain, alors que j'aime beaucoup Stravinsky, ça sera Beethoven pour cette puissance de la forme qui vous emporte sur son passage. Ah ben je suis professeur de fugue au Conservatoire de Paris, donc je ne peux que vous dire fugue. Alors moi, ça reste papier. Hein, vous me verrez au bord du lac, en train de composer. L'ordi, c'est plus compliqué. C'est de l'orgue, sauf que je traite l'orgue comme un synthétiseur. Allez, bah soyons francs, la bière. Comme Reger.